C'est avec beaucoup d'émotion que je suis ici à Ennet au moment de vous parler de notre concert exceptionnel à 20h30, ici à Ennet, dans le 2e arrondissement de Lyon. Nous allons faire ricocher une pierre de coups pour montrer notre solidarité, parce que donner la main de soi a pour mission de médiatiser les cas d'urgence et d'organiser des événements pour ces cas d'urgence. Et par rapport au drame de Paris, à l'incendie de Notre-Dame, on se devait d'apporter notre petite pierre pour la bonne et simple raison que depuis cet hiver, quand je suis dans les rues de Lyon, en maraude, pour sauver des sans-abri, les héberger, leur donner une couverture, leur donner à manger, souvent à mes bénévoles, je suis moi-même bénévole, je leur dis, imaginez que la mendiante ou le mendiant de Notre-Dame tende la main, qu'il soit là le matin jusqu'au soir, imaginez que chaque visiteur en ressortant de Notre-Dame lui donne 1 €, et bien en fin de journée, cette personne va beaucoup, beaucoup mieux, et va même très, très bien. Ce message et ce drame de Paris nous a interpellés en disant on va apporter notre pierre. Et nous, on va militer pour apporter ce côté un petit peu charité et de penser aussi aux pauvres. Donc on vous propose ce vendredi à 20h30 à Ennet et dimanche en l'église de Décines à 15h avec Thomas Dunant qui sera à la guitare et au chant, de nous apporter des vêtements d'été pour les sans-abri, des denrées non périssables que nous redistribuerons rapidement en maraude. C'est cet acte de charité qu'on vous propose en priorité. Ensuite, on va récolter des fonds pour l'association Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris. Et on va en parler dans quelques instants avec Clément Perrier, qui est notre organiste, pour non pas mettre dans l'architecture, mais mettre dans ce que l'on oublie trop rapidement. On ne parle pas assez de l'orgue, on ne parle pas assez de ces objets qui ont été endommagés par l'incendie. Et là, dans ce domaine-là, il y a urgence, il ne faut pas attendre 5 ans. Pour ces petits détails qui étaient dans Notre-Dame. C'est maintenant qu'il faut les restaurer, c'est maintenant qu'il faut les nettoyer, c'est maintenant qu'il faut réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces pièces retrouvent un petit peu leur cachet d'hier, et notamment l'orgue et le deuxième, et Clément va nous en parler dans quelques instants. Donc voilà, c'est à cette destination-là que nous allons faire ce concert. Et je vous propose de venir rencontrer Clément qui, lui, va vous parler du programme que l'on va faire à Ennet. Un programme somptueux, l'entrée est gratuite. Vos dons seront libres, libre à vous de donner ou pas. L'important, c'est d'être là, de faire acte de charité et d'écouter un programme exceptionnel, Clément, parce que Les Petits Chanteurs de Thomas d'Aquin, c'est quand même un sacré programme. Voilà, tout à fait. Nous avons la chance d'accueillir les Petits Chanteurs de Saint-Thomas d'Aquin avec le chœur La Cantoria ce vendredi. Donc ça va regrouper environ 80 chanteurs à la Basilique Saint-Martin d'Ennet. Ces deux chœurs sont deux chœurs assez importants étant donné qu'ils vont donner un concert et même trois à l'église Saint-Antoine de Gerland les 7, 8 et 9 juin prochains avec John Rutter qui est un chef de chœur qui viendra pour la première fois en France à ce moment-là. Et donc voilà, nous aurons l'opportunité vendredi d'entendre ces pièces de John Rutter en avant-première. Voilà une partie de ses œuvres qui seront chantées le 7.
Et pour eux, il y a une émotion parce que les petits chanteurs ont chanté à Notre-Dame. Voilà, et en 2014, lors du congrès international des Pueri Cantores, qui regroupe tous les petits chanteurs au niveau international, le regroupement avait lieu à Notre-Dame de Paris en 2014. Et donc, les petits chanteurs de Saint-Thomas-d'Aquin ont chanté à Notre-Dame. Donc, c'est un moment important pour eux de venir soutenir Notre-Dame à Aimé. Eh bien, merci Clément. On vous propose d'écouter un extrait et on se donne rendez-vous vendredi à 20h30, Basilique des Nèdes, dans le deuxième, pas très loin du métro Victor Hugo. Et puis dimanche à 15h, en l'église de Décines, ce sera le chanteur Thomas Dunant qui sera avec nous, là aussi pour récolter des affaires pour les sans-abri, des denrées et faire acte de charité et acte de don. Apporter notre petite pierre à cet édifice, parce que Notre-Dame de Paris, c'est l'histoire de France avant tout. C'est plus qu'un lieu de culte, c'est l'histoire de France, ces siècles qui ont passé, qui passeront encore, ces gens qui viennent du monde entier, qu'ils soient croyants ou non croyants, qu'ils soient de toutes les communautés du monde, viennent à Notre-Dame, et avec la Tour Eiffel, c'est quand même le symbole de la France. Et avant tout, pensons à cet élément patrimonial. Et pensons aux générations futures qui nous regardent et qui nous regarderont et qui nous jugeront sur ce que l'on aura fait ou pas. Donc nous, donner la main de soi, grâce à Clément qui est vraiment un partenaire génial, on va apporter notre petite contribution, notre petite pierre. Elle est symbolique, mais elle est précieuse. Tout à fait. Clément, c'est à vous.